La date de ce 4 avril 2009 va, à n'en point douter, constituer un repère essentiel dans la chaîne d'action positive pour faire émerger la culture de paix et de tolérance entre les Congolais et contribuer ainsi à la formation de la conscience nationale. Vous étiez invité par le fils du président Denis Sassou Nguesso en pleine salle. Vous l'avez chanté une chanson qui a vraiment dérangé son fils. Vous connaissez bien de cette chanson? Oui, je me rappelle. J'ai encore l'invitation. J'avais même volé le TGV pour venir au spectacle. Mais pourquoi cette vérité en public? Il ne faut pas avoir peur d'un président. Un président, il faut le respecter. Le respecter commence par la vérité. Donc, si je dis chante la vérité, c'est que je suis pas contre le président. Pour moi, les gens qui sont contre le président, c'est les ministres et tous les musiciens qui sont là, Denis Sassou Nguesso et tout, qui le glorifiaient à l'image même plus que Dieu. Mais moi, Sassou m'a jamais parlé, il n'a rien fait de moi. Moi, je peux mettre ma guitare en valeur comme je suis pauvre. C'est-à-dire, je suis le plus pauvre des musiciens congolais. Là, vous ne pouvez pas repartir. Je ne peux pas repartir. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est Sassou qui est au pouvoir. Il m'aime pas. Moi, je l'aime pas non plus. Et je l'aimerais pas. Si j'étais président, je serais moins con. Moi, si j'étais président, je serais moins bête. Deux mandats me suffiraient. Au lieu d'acheter des armes, pensez à votre peuple.